Ben, merci. Voilà, nous avons vécu une rencontre âprement disputée. Nous devions absolument gagner ce match et c'était l'intention du départ. J'ai demandé à mes joueurs beaucoup d'implication dans le jeu, beaucoup de rythme, d'intensité et d'entrée de jeu. C'était cet état d'esprit. Malheureusement, nous avons été très vite dans une situation où nous avons concédé un penalty très vite. Et les jeux n'ont pas encaissé le coup, et il a fallu qu'ils se mobilisent rapidement parce que les gens restaient dans la contestation par rapport à ce penalty. Et c'est dans cette foulée qu'on a encaissé ce deuxième but. Mais ils se sont après ça vite remobilisés pour se remettre à l'endroit pour chercher bien sûr à marquer avant de repartir. On a procédé à des changements tactiques, venir avec une défense à trois, mettre un deuxième attaquant. Ils ont poussé, je leur ai demandé de l'investissement, de l'abnégation. Là-dessus, ils l'ont fait, ils se sont battus. Et malheureusement, ils n'ont pas pu. Et après, sur une faute individuelle du gardien de but, ça peut arriver. Une frappe lointaine après une faute de main, on se retrouve à trois. C'est une soirée absolument catastrophique. Et c'est des petites erreurs, mais c'est ça la compétition de haut niveau. Il faut rester concentré. Sinon, du point de vue de l'investissement, les joueurs se sont bien investis. Nous sommes repartis à la seconde période avec beaucoup d'envie, de marquer, de croire à quelque chose. Malheureusement, on se retrouve très vite à 10. Encore un autre scénario, il fallait réajuster l'équipe et continuer à chercher à marquer. Et je félicite mes joueurs pour leur investissement, ils n'ont rien lâché jusqu'au bout. Eh bien, c'est le football, on va monter les erreurs et continuer d'apprendre. C'est une jeune équipe, c'est ma deuxième saison avec cette équipe. L'année passée, on a fait l'espoir d'être champion du Burkina et on voulait sortir pour se frotter et apprendre encore. Je crois que dans cette défaite, il y a beaucoup de choses à apprendre. Mais néanmoins, je félicite mes joueurs pour leur investissement, ils se sont bien battus avec leurs armes. Et je félicite aussi le Stade malien pour, en tout cas, son efficacité. Parce qu'à aucun moment, les deux matchs, ils ont véritablement pris le match dominé. Mais ils ont su marquer au bon moment. Et félicitations à eux. Merci. Je voulais répondre qu'après le penalty, on était un peu énervé. On est resté dans les districts et on est sorti dans notre match. Je pense que c'est un peu ça. Après le penalty, on était un peu énervé. On voyait que non, c'était pas sûr. Donc, on est sorti dans notre match. Je peux dire que c'est ça. Ok.